Madame, monsieur, bonjour. Cette journée de mercredi est une journée de transition avec encore de la grisaille présente sur le pays, mais le thermomètre qui va connaître un petit sursaut pour la mi-journée. Voici donc ce qui s'est passé cette nuit. On a effectivement ces précipitations qui nous ont concernés tout au long de la journée d'hier, que l'on va retrouver donc cet après-midi, notamment au pied des Pyrénées. On a effectivement cette perturbation qui va rester bloquée dans le sud-ouest et l'arrivée de ce secteur chaud qui va occuper eh bien, l'arc atlantique à partir de cet après-midi. Voici donc la situation pour la mi-journée où effectivement avec l'arrivée de ce front chaud, ça va d'abord se faire sous forme de nuages par les régions de l'ouest, peut-être des pluies un petit peu plus marquées avec l'arrivée donc de cette nouvelle perturbation sur la pointe bretonne, les résidus de la perturbation de la veille et puis ailleurs c'est vraiment un ciel partagé avec quelques averses locales et puis un ciel dégagé autour de la Méditerranée mais toujours sous un vent assez fort. Les températures pour cet après-midi donc sont en légère hausse par rapport à celles d'hier de 13 à 25 degrés. La suite effectivement avec ce soir, on va donc retrouver cette nouvelle perturbation qui va remonter sur les régions du nord-ouest, toujours sous forme de nuages, peut-être des averses un peu plus marquées du côté du Cotentin. Quant aux températures, eh bien, elles vont s'échelonner pour la soirée de 9 à 17 degrés. Pour demain, on va retrouver cette même perturbation sur une bonne moitié nord du pays avec donc pas mal de grisailles, toujours quelques averses locales, peut-être un peu plus marquées sur le nord de la Bretagne. Dans l'après-midi, on va conserver la même situation, sauf près des côtes de la Manche où les pluies seront un petit peu plus continues. Et puis à l'avant de ce front, eh bien, ce sera un dégradé nuageux avec un franc soleil sur les régions du sud. Les températures pour demain matin de 6 à 15 degrés et dans l'après-midi, la maximale sera autour de la Méditerranée. Voilà, très bel après-midi à tous.